Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre à l'échelle un plan sur AutoCAD. Voyez bien sur ce plan, les dimensions qui avaient été données par l'architecte étaient plutôt en mètres. Donc vous voyez dans cette chambre que nous avions des dimensions de 4 mètres par 6 mètres. Pourtant, le dessin a été dessiné plutôt vers une dimension inconnue. Donc nous allons essayer de coter là ce mur. Donc vous voyez là que nous avions 4000. Ça voudrait dire que les dimensions étaient multipliées par 1000. Ou autrement dit, le dessin a été dessiné en millimètres. Donc nous allons faire de telle en sorte que lorsqu'on va coter comme ça, nous aurons exactement 4 mètres là. C'est-à-dire, nous allons mettre à l'échelle ce plan. Et pour pouvoir mettre à l'échelle le plan, nous allons tout d'abord sélectionner tout le plan complet. Et par la suite, nous allons venir cliquer sur échelle. Et par la suite, je vais spécifier un point de base, peut-être ici. Et ensuite, je vais venir cliquer sur référence sur la barre de commande. Donc, pour pouvoir spécifier une distance à laquelle je vais mettre à l'échelle. Du coup, comme nous voulons travailler sur ce mur, donc si nous mettons à l'échelle ce mur, ça va également mettre à l'échelle le plan complet. Donc, je vais spécifier un point de base là et par la suite là. Donc, vous voyez là que c'est 4000. Et du coup, je vais mettre la vraie valeur qui est de 4 mètres. Donc, je vais taper juste 4. Je vais valider, entrer. Échec et bam, voilà le plan qui a été mis à l'échelle. Donc, si vous ne voyez pas, vous n'avez plus qu'à zoomer là-dessus. Donc, si vous voyez avec des traits cassus, ceci est fonction de la résolution graphique de votre ordinateur. Et pour pouvoir corriger cela, vous allez taper la commande Regen. Échec et bam, ça va mettre à l'échelle automatiquement tous les différents objets. Et si vous essayez à nouveau de faire la cotation, une fois en cliquant sur cotation, donc vous venez là, là, donc vous allez vous rendre compte que c'est bel et bien 4 mètres. Là, maintenant, il doit falloir juste ajuster l'échelle des insertions de la cotation pour pouvoir avoir cela normalement. Et du coup, vous allez venir ici, ensuite sur échelle de mesure là, ensuite vous allez revenir sur modifier, d'accord, et par la suite vous allez tomber sur l'onglet ajuster et puis vous allez peut-être réduire la taille, disons peut-être 0.1. Donc nous divisons directement par 1000, d'accord. Je valide entrée, d'accord. Je vais fermer, ok. Je ferme encore à nouveau et je tape encore la commande Regen pour régénérer le chemin. Échec et bam. Donc voilà le chemin encore à nouveau. Donc vous voyez bel et bien que nous avions 4 mètres qui correspondent bien et bien sur ce qui a été mentionné sur le plan. Et là, ça va vous faciliter maintenant la tâche pour faire la cotation. Ce que vous allez coter va refléter exactement ce que l'architecte vous avez confié au départ. Donc cette technique peut vous servir nettement à corriger certains bugs. Donc si vous dessinez par exemple un plan en centimètres ou en millimètres, vous n'aurez pas de problème de mettre ce plan à l'échelle. Je vous ai d'ailleurs montré dans un précédent vidéo que vous pouvez utiliser le DWG unit pour pouvoir convertir les unités. Cette commande ne convertit que l'unité, ça ne met pas à l'échelle le plan. Donc vous avez vu dans cette vidéo comment vous pouvez mettre à l'échelle. Donc vous voyez également que ces luminaires, la taille des traits interrompus des luminaires a été également agrandie. Donc pour pouvoir corriger cela, vous allez utiliser la commande Line Tab Scale pour pouvoir changer la taille. Donc je vais taper Line Tab Scale. Donc pour pouvoir changer la taille des traits interrompus. Donc vous voyez là que ça a un facteur d'échelle de 500. Donc si je divise par 1000, comme nous avions fait, donc je mets 0.5 par exemple. Ensuite je tape entrée et je regène le circuit à nouveau. Entrée. Donc vous allez voir échec et bam que ça a mis. Ça a rendu vraiment tout ça en très interrompu. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous avez des nouveaux sur vos projets sur AutoCAD, n'hésitez pas de me faire signe. Et abonnez-vous, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Thanks for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.